Ajo Bifi, bonsoir. Coucou Melo Valov, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien. Désolée. On va... Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Aujourd'hui, là, c'est guerre de coach. C'est la guerre de coach. Depuis que Manuel Keita a dit que je ne connais pas telle personne là, tout le monde veut prendre ça pour faire le challenge. Affaire de je ne te connais pas est devenu challenge. On peut faire ça. Donc connectez-vous, mettez le cœur, partagez la vidéo et le thème qui va avec. Partagez, mettez assez de cœur. Partagez avec le thème qui va avec. Parce que je sais que vraiment, affaire là, c'est lourd. Affaire des deux coachs là, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Guerre des coachs. Guerre des coachs professionnels, parce que les deux là sont des professionnels. En tout cas, chacun est professionnel à sa manière. Quand tu dis que tu es forte, l'autre dit je suis forte à ma manière. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, guerre, guerre, aujourd'hui là, c'est parlable de coach. Parlable de coach, donc partager. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur. Taguez-moi ici, un grand frère. Oui. Taguez-moi ici, un grand frère. Taguez-moi ici, un grand frère. Jesse, Jesse, pape, le roi des bois. Mon chéquier ici. Taguez-moi ici, Jesse, Jesse, mon grand frère. Je veux voir ici que vous me taguez. Jesse, Jesse, le Robin de bois. Voilà, j'ai trouvé le bon nom. Avant de commencer d'abord ma vidéo. Oui. Avant de commencer d'abord ma vidéo, j'aimerais ici que vous me taguiez. Jesse, Jesse, le Robin de bois. Je vais lui parler. J'ai quelque chose à lui dire. Donc, taguez-le-moi avant que je ne commence mon direct. Avant que je ne commence mon direct, j'aimerais que vous me taguiez ici. Jesse, Jesse, le Robin de bois. Avec son petit nom de caresse que je lui ai donné, c'est Jessica. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Jesse, Jesse, donc taguez-moi ici Jessica. J'ai besoin de lui en urgence. J'ai besoin de Jesse en urgence. Taguez-le-moi, il n'est qu'à quitter dans sa forêt là. Il n'est qu'à venir dans les herbes. Donc, taguez-le-moi, partagez la vidéo, mettez assez de cœur avec le thème qui va avec. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Merci pour les cœurs. Taguez-le-moi ici, là, je l'attends avant que je commence mon direct. Parce qu'aujourd'hui, le direct d'aujourd'hui, là, c'est fort. Il est venu, il n'est qu'à venir s'asseoir. Mon professeur de français, qui vient s'asseoir. Est-ce qu'il est là? Est-ce que Jesse a pris son tabouret? Est-ce que Jesse a pris son tabouret? Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous massivement sur ma page. Ma chaîne YouTube, c'est Lova la star. Ma chaîne YouTube, c'est Lova la star. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement. Taguez-moi ici, Jessie, Jessie, le Robin des bois. Avant que je ne commence ma vidéo, je dois d'abord m'excuser. Oui, m'excuser auprès de mon grand frère, Jessie, Jessie, parce que je l'ai trahi. Oui, je l'ai trahi pourquoi? Jesse, Jesse dort sûrement. Il ne peut pas dormir à 20h là. Ou bien c'est sommeil de gourmet ou bien. Il dort à 20h là, c'est sommeil de gourmet. Ah, à 20h là, lui, il dort. C'est sommeil. Parce que c'est gourmet qui peut faire dormir quelqu'un à 19h. Oui, c'est gourmet qui peut faire dormir quelqu'un à 19h. Si Jesse doit aller là, c'est que vraiment. Donc, j'appelle ici Jesse, le Robin de bois. Pour lui présenter mes excuses. Parce que je l'ai offensé. Oui.
parce que je l'ai trahi. Ce que j'ai fait hier est une trahison. C'est une trahison. Quand quelqu'un te fait confiance, d'abord, ce n'est pas dans mes habitudes de jouer les audios. Voilà. Ce ne sont pas dans mes habitudes, mais vous me connaissez. Vous me connaissez. Ce ne sont pas dans mes habitudes de jouer les audios qu'on m'envoie. Est-ce que vous comprenez? Sinon, j'ai plein d'audios. Dans mon téléphone, là, j'ai plein d'audios. Pour dire, là, voici, j'ai les papos sur telle personne. Il faut casser les papos. Vous savez, parfois, quand on finit de casser les papos, là, toi-même, ta conscience te gronde. Toi-même, ta conscience, ça te gronde. C'est-à-dire que quand tu éteins ta caméra, ta conscience n'est pas tranquille. Oui, ta conscience n'est pas tranquille. Et je sais que j'ai offensé un grand frère, que je dois présenter mes excuses. Devant un grand frère, la petite sœur n'a pas raison. Mais vous savez, parfois, quand ne provoquez pas aussi la petite sœur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Je reconnais devant vous, devant Dieu, que je manquais de respect à un grand frère que j'ai blessé, mais je dois lui présenter mes excuses. Raison pour laquelle je vous prie, avec votre permission, d'appeler Jessie. Je lui présente mes excuses devant tout le monde. Vous me connaissez. C'est pas aujourd'hui que l'eau va faire ses directs. Quand vous me voyez que je joue les audios ici, là, peut-être que j'ai entendu dans une autre page et je viens jouer. Parce que je suis une personne quand même, j'aime pas. Hein? J'aime pas casser les papos. J'aime pas casser les papos. Sinon, je reçois les papos. Il faut jeter les papos de telle personne. Oh, là, bah, il faut casser. Mais quand tu finis de casser là, ta conscience te gronde. Ta conscience te gronde. Au fait, Jessie n'avait pas compris le but de mon direct en fait. Parce que lui, quand j'ai mis le titre, comment on appelle, le pardon de Jessie a été rejeté. Lui, chez lui, je venais pour jouer les audios. Non, je ne venais pas pour ça. Je venais donner les explications de la commission que j'étais allée faire. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas mon but de venir jouer les audios. Ce n'était pas mon but. Mais il m'a poussé à bout parce que je voyais dans le commentaire où il m'insultait. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à m'insulter et ça m'a énervé, raison pour laquelle je suis venue, j'ai joué les audios. Je ne devrais pas le faire. Voilà. Je ne devrais pas le faire parce que quand une personne a confiance en toi, pour dire que, ah voilà, je suis allée présenter mes excuses, mais voici ce que j'ai reçu en retour comme réponse. Je te l'envoie pour que tu écoutes. Pour ne pas demain, les gens vont me juger. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas le but de venir vous faire écouter. Voilà. Ce n'était pas le but de venir vous faire écouter. Mais comme il m'a énervé, raison pour laquelle je suis venue, j'ai mis. Mais l'eau qui est déjà versée là, on ne peut plus ramasser. L'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Raison pour laquelle parfois, quand je suis en live, j'aime pas lire les commentaires. Parce qu'il y a des commentaires qui poussent les gens à bout. Il y a des commentaires qui poussent des gens. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais parfois, quand tu lis les commentaires, ça fait monter ta tension. Quand tu lis les commentaires, c'est-à-dire que le commentaire te pousse. Ce que tu n'as pas envie de faire, tu le fais. Et après, quand tu quittes devant ta caméra, tu t'assois et tu te rends compte que j'ai mal fait. Je ne devrais pas le faire. Parce que quand une personne te fait confiance, il t'envoie quelque chose. Un secret reste un secret. Ce secret-là, ça ne doit pas sortir de la chambre. Je reconnais que j'ai trahi. Oui, il m'a fait confiance.
Oui, il m'a fait confiance et moi, je l'ai trahi. J'ai zaillé, j'ai mal fait. Et je l'ai, c'est-à-dire que je l'ai blessé. Oui, ça l'a fait mal. Parce que dites-moi, voici une personne, j'ai fait confiance, elle m'a trahi. Je ne devrais pas te trahir. Parce que ta confiance t'a amené vers moi. Et moi aussi, cette confiance-là, je devais garder ce secret. Mais malheureusement, lorsque la tension est montée, on ne se contrôle plus. Et j'ai été tellement à bout, je suis venue, j'ai tout gâté. Au pays des gâtés, gâtés, j'ai tout gâté. Donc, je ne veux pas être trop long, parce qu'en voulant trop parler, je risque de tout gâter. Je vais être bref. Donc, je viens ici présenter mes excuses à mon grand frère, Jesse J. Jesse le Robin de Bois. Oui, Jesse le Robin de Bois, je t'ai manqué de respect, je t'ai trahi, je reconnais mon tort, je reconnais mes erreurs et je reconnais que ma conscience m'a grondé. Je te demande pardon. Je te présente mes excuses. Je te demande pardon. S'il te plaît, faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas de ma faute. Je ne devrais pas le faire. Je sais que tu es fâché contre moi, mais je te demande pardon. Je te demande pardon à toi et à ta femme, notre belle-sœur. Madame Jessie, vous savez, lorsque votre mari est sur Facebook, la pauvre dame aussi, vous prenez les pots cassés. Parce que quand on vient insulter là, c'est-à-dire la dame même qui n'a rien à voir dedans là, elle aussi, elle a attaqué. Quand on vient insulter là, le monsieur qui n'a rien à voir dedans là, on s'en va l'insulter. Donc, Madame Jessie, je vous présente mes excuses. C'est la famille et je pense que je vais rester telle que je suis. Je suis une personne que vous connaissez qui n'aime pas casser les papots. Non, venez, il y a cassement de papots. Je vous jure que hier, ma conscience n'était pas tranquille. Ça m'a beaucoup travaillé la tête. Voilà. Ça m'a beaucoup travaillé la tête et je n'avais pas la conscience tranquille. Donc ce matin, je suis rentrée dans le téléphone de mon grand frère. En tant que petite sœur, je suis rentrée moi-même dans son téléphone pour lui présenter mes excuses. Il m'a dit, petite sœur, ce que tu as fait n'est pas bien. J'ai dit, grand frère, je reconnais mon tort. Je reconnais mes erreurs. Voilà, je reconnais mes erreurs. C'est pour cela que je suis rentrée dans ton téléphone pour venir m'excuser. Accepte mon pardon. L'eau est déjà versée. On ne peut plus ramasser. Je te demande pardon. Hein? Apprends-moi. Amène-moi dans la forêt sacrée et tu vas me laver. Donc, devant tout le monde, je présente mes excuses sans une arrière-pensée, sans être hypocrite. Voilà. Le pardon que je viens présenter, je l'ai déjà présenté en Nubos. Voilà. Je l'ai déjà présenté en Nubos et j'ai dit, je vais venir devant le public pour le faire. Donc, je demande pardon à mon grand frère, Jesse J. Il faut accepter mon pardon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée de t'avoir blessé, de t'avoir rabaissé, de t'avoir humilié, de permettre que les gens t'ont insulté. C'est ma faute. Parce que c'est moi qui ai permis, en fait. Si les gens t'ont insulté, c'est de ma faute. Mais je pense que cela ne va plus se répéter. Et je pense que mon pardon est accepté. Donc, famille, c'était juste pour ça. Il n'y a pas à faire de frapponner. Nous sommes en décembre. En décembre, bientôt, on rentre dans 2021, 2022. Mon cher, il n'est pas rentré dans 2022 avec un cœur rempli de haine. Donc, j'ai libéré mon cœur en même temps. Voilà. Donc, on va continuer notre direct. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs pour Jessie. Jessie, mettez les cœurs. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, nous sommes tous des Ivoiriens, nous sommes tous des frères et sœurs. On peut se clasher, on peut se dire tout, mais on ne va pas avoir la haine dans notre cœur. Nous sommes tous des Ivoiriens. On vient d'un même pays. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont mis les cœurs. Mettez les cœurs pour Jessie.
Mettez le cœur pour Jesse, Jesse. Donnez-lui assez de cœur parce qu'il le mérite. Il le mérite. Donc, on va passer sur notre sujet important. On a vu ici la vidéo de coach Letty Sonia qui a régné coach à moins chic. Le coq n'a pas encore chanté. Le coq n'a pas encore chanté. C'est parce que c'est devenu un niveau modèle. C'est devenu un niveau challenge. C'est devenu un niveau challenge. Tu causes avec quelqu'un, la personne t'appelle de temps en temps. Vous faites des heures au téléphone. Mais quand tu t'assois sur le plateau de télévision, non, je ne le connais pas. Non, non, lui-là, je ne le connais pas. Non, lui-là, je ne le connais pas. C'est devenu un nouveau style. Un nouveau, je ne sais quoi, challenge. Coach Letty Sonia, c'est le nom de mon état qui est gâté. Voici quelqu'un qui va jurer sur Dieu. Et même Dieu même est étonné de ton mensonge. Coach Letty Sonia, même Dieu est étonné de ton mensonge. Parce que dans ton parlementaire, oui, c'est le français de la gloire, dans ton parlementaire, dans tes dires, quand on regarde ton visage, on regarde l'expression de ton visage, cela prouve que ce que tu es en train de dire c'est rempli de mensonges. Cela prouve que tes dires là c'est rempli de la méchanceté, c'est rempli de la jalousie, c'est rempli de l'hypocrisie. On peut être arrogant comme ça. Toi, tu es venu nous dire que tu ne connais pas coach à mon chic. Même si vous ne vous êtes jamais rencontré, ça, personnellement, il n'y a pas, parce que vous ne vous êtes pas encore rencontré. Mais au moins, vous causez de temps en temps au téléphone. Vous vous connaissez par des causeries. Parce que la rencontre, ça commence d'abord dans des communications en privé. Et là, maintenant, vous décidez de vous rencontrer. Voilà. Et là, maintenant, vous décidez maintenant de vous rencontrer. C'est comme ça. Avec le teint qui va avec. Eh oui, le teint là. Je dis, est-ce que vous êtes prêts pour le 4 décembre? J'ai dit, Paris va crier Madou. Est-ce que vous êtes prêts pour le 4 décembre? C'est pas petit. Je dis, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ne venez pas faire les commentaires bande de coin ici là. Vous avez compris? Ne venez pas faire le commentaire bande de coin ici. Vous avez compris? Donc laissez ça. Laissez pour vous là. Vous n'aimez pas. C'est-à-dire vous avez toujours coin tête des gens. Vous avez toujours coin tête des gens. Pardonnez, déposez-moi ici. Donc voici coach Letty Sonia aujourd'hui qui vient régner coach Amoy Chic dans son propre pays. Tellement elle veut se faire aimer par les Ivoiriens là. Elle veut tellement avoir la place dans le cœur des Ivoiriens. Comme elle se croit trop Ivoirien là, elle va s'asseoir sur un plateau télé pour humilier, pour rabaisser sa collègue, coach à moins chic. Oui, coach à moins chic qui est suivi de combien de millions d'abonnés? Coach Amoshik, même l'enfant, même bébé, gègè dans le ventre de sa maman là, il connaît coach Amoshik. Mais aujourd'hui, Letty Sonia est venue s'asseoir. C'est-à-dire que celui-là, c'est-à-dire à la télévision même de coach Amoshik, dans le pays de coach Amoshik, devant ses frères, pour la renier, pour dire que cette personne-là, je ne la connais pas. Et elle n'ose même pas dire son nom. C'est-à-dire qu'elle se donne un genre. Elle pense que genre, oui, c'est elle. Parce que c'est elle, c'est son mari qui est, comme il s'appelle, Max Zimango. Oui, parce que c'est son mari qui est Max Zimango. Elle se donne genre. Elle n'ose même pas dire le nom de coach à moins chic. Si ce n'est pas la haine. Qu'elles ont mis la photo de coach à moins chic là. Imaginez le regard.
Imaginez comment elle était dérangée. Imaginez comment elle se sentait pas dans sa peau. Elle était pressée pour qu'on fasse passer la photo. Vous voyez l'hypocrisie de l'homme noir. Vous voyez la jalousie. Encore. Parce que toi seul, tu veux manger. Parce que toi seul, là, tu veux manger. Donc, faut pas que quelqu'un d'autre va manger. Avant de continuer, là, on va écouter ici la vidéo de coach Latisonia. On va écouter ici. Permettez-moi de... Attendez, faut que je trouve. Ça y est où même? Faut que je trouve, peut-être que j'espère que... Non, pas ici. Attendez, la publicité va passer. Allez, vérité par l'image, hein. On y est, on va vous présenter des personnages, hein, en photo, en image, et sans question, vous vous exprimez tout simplement. Okay. Allez, la première regardez image, son visage, on y va, présentation. Coach, à mon chic. Rien à dire. Rien à dire. On peut faire ça. Même l'animateur même est étonné. De ton comportement. Regardez bien son visage. Son visage, ça prouve que y a la, on voit la jalousie même si son... C'est-à-dire que quand tu regardes l'expression de son visage, ça prouve que peut-être elle a un recouché avec coach Amon Chic. Donc, on lui montre la photo de coach Amon Chic, si tu la connais. Elle se joue les étonnés. C'est-à-dire qu'elle ne la connaît pas. Parce qu'elle dit rien à dire, en fait. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Non. Donc, c'est-à-dire que dès qu'ils ont mis, on dit, que tu connais celle-là, elle dit rien à dire. Et puis elle est pressée, mais qu'on enlève. Parce que quand elle voit le visage de coach Amon Chic, là, elle est paniquée. À quel impact? Coach Caviar. Elle, c'est-à-dire que Elles font la rivalité du coaching. Elles font la rivalité du coaching. Et la photo de coach Amon Chic de là la fait trembler. C'est-à-dire la photo de coach Amon Chic déjà, ça la traumatise. Qu'on rien à dire, on peut être hypocrite comme ça. Je vais reprendre ici. Allez, vérité par l'image, on y est. On va vous présenter des personnages en photo, en image. Et sans question, vous... vous exprimer tout simplement. Okay. Allez, la première image, on y va, présentation. Coach, à mon chic. Rien à dire. Rien à dire. Deuxième image. Vous la connaissez? Non. Non? Personnellement, non. Vous savez au moins ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Vous savez au moins ce qu'elle fait... Ah oui, sur les réseaux sociaux, je peux dire devant... Donc, rien à dire, ça veut dire que... Vous parlez de qui en fait? Vous parlez de qui? Donc elle dit personnellement, c'est-à-dire, bon, ils se sont jamais rencontrés. Mais pour dire, je ne la connais pas. Parce que quelqu'un avec qui tu causes matin, midi, soir, tu ne peux pas dire que tu ne la connais pas. Quelqu'un tu causes avec qui matin, midi, soir, là, tu ne peux pas dire que tu ne la connais pas. Tu peux dire, je la connais. Mais on ne s'est pas encore vu. Mais elle et moi, là, on cause. Voilà. Vous parlez. Je suis une croyante devant Dieu que j'ai peut-être suivi une de ses vidéos maximum une minute. Sur toute ma vie. Devant le Seigneur. Pourquoi? Je le jure. Donc, elle a suivi l'une de ses vidéos pendant une minute. Pendant une minute, c'est là qu'elle a suivi la vidéo. Donc là, elle, d'après elle, c'est-à-dire qu'elle ne suit pas coach Amon Chic.
Elle ne la suit pas, elle ne la connaît pas, elle ne sait pas quel travail elle fait en fait. Tout simplement, peut-être parce que ça me prenait pas au feeling, c'est tout. C'est tout, j'ai rien à dire sur la personne. C'est la seule image que vous avez à me montrer? On y arrive. Ah, ok. Vous avez d'autres... Vous la consignez? Mais elle est tellement pressée qu'on n'est qu'à faire passer coach à Mouchi. Elle est tellement pressée parce qu'elle ne veut pas voir sa tête. Elle est tellement pressée qu'on lui montre d'autres images. Coach? C'est pas à moi de considérer qui que ce soit comme tel. Si quelqu'un se considère... Avec votre expertise. Non, non, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas plaire à Lady Sonia. C'est pas mon rôle, moi, de considérer qui que ce soit. Si quelqu'un estime... Non, mais attends que tu dis que c'est toi la Daichi, de coach. Au moins, tu dois au moins la considérer. Même si ce n'est pas du côté professionnel, mais au moins, il y a un mot à dire. Voilà. Tu as au moins un mot à dire à ce niveau. Parce que chacun est fort à sa manière. Chacun est professionnel à sa manière. Il y en a des milliers, hein. Bravo. Comment vous avez trouvé ces 1 minute, sinon moins d'une minute que vous avez suivi? J'avais suivi parce qu'il y avait un buzz. Il y avait un buzz et on m'a envoyé ce lien, cette minute-là. En inbox, et il y avait beaucoup de gens qui me demandaient d'intervenir parce qu'elle se faisait clasher. Ça doit faire longtemps. Ça doit faire peut-être 2 ou 3 ans. Je crois qu'il y avait une vidéo où elle disait les hommes qui donnent pas de l'argent n'ont pas le droit, n'ont pas le droit de... Si, on a compris. Voilà. On a compris, okay. On a compris. Voilà. Et puis, on me demandait mon avis. Et je suis sortie, ne connaissant pas la dame, et j'ai défendu parce que c'est ce que je... Donc, quand tu ne la connaissais pas, c'est-à-dire qu'il t'envoie la photo, tu ne la connaissais pas, tu l'as défendue. Tu sais pas le rôle qu'elle joue en fait, si elle est coach, ou bien si elle est blogueur, ou bien si elle est quoi. Toi quand même tu l'as défendue, mais tu ne la connais pas. Ok. Je pensais ça aussi. Je pensais ça, sa minute était correcte, elle était... J'ai utilisé d'autres mots, et ils ont dit bon voilà, Lady Sonia aussi, bon je me suis fait clasher et tout. Mais c'est tout. Depuis vous ne l'avez plus jamais suivi? Non. Vous l'avez déjà contacté ou pas? Oui. Une fois, parce qu'il y avait encore un autre buzz, sur moi cette fois-ci. Et mon équipe m'a tagué, on a dit qu'elle a posté pour dire, parce que c'était vraiment une histoire rocambolesque. Et puis apparemment, elle a... Mais rocambolesque, là, c'est coach Amouchi qui envoie ce mot-là. Quelqu'un que tu ne suis pas. Mais comment est-ce que tu connais son mot rocambolesque? Parce que c'est elle qui envoie ce mot-là. Oui, c'est elle qui envoie ce cri de... C'est-à-dire que c'est elle qui a fait sortir son style à elle. Rocambolaise, c'est elle qui a envoyé. Elle a posté pour dire qu'elle était de mon côté. D'accord. Mon équipe m'a tagué, on m'a dit, bon, voilà, il faut faire. Donc, on l'a reposté sur la page et ça s'arrête là. Lady Sonia, rassurez-vous, on a d'autres images. Ah, j'espère bien. Parce qu'il ne faudrait pas que la personne aussi... Non, rassurez-vous. Voilà, rassurez-moi. Deuxième image, deuxième photo, deuxième personnage. C'est d'elle que je parle. Oui. Ah oui. C'est d'elle que je parle. Jeanne Sissoko. C'est elle. Ça, c'est une coach. Ah. Oui. Tu dis que c'est pas à toi de dire si telle personne est coach ou telle personne est coach. Maintenant, on te montre une photo puis tu dis c'est elle, c'est coach. Mais attends. Aïe. C'est pas à toi maintenant de dire qui est coach, qui n'est pas coach. Quand on t'a montré la photo de Amouchik, coach Amouchik là. Tu n'as pas dit que ce n'est pas à toi de désigner qui est coach, qui n'est pas coach. Oui, c'est dans le dictionnaire, mais c'est coach Amouchik qui envoie ça sur les réseaux sociaux. Digne d'un film rocambolaise, mais c'est coach Amouchik qui envoie ça sur Facebook. Sinon, c'est dans le dictionnaire, hein, mais c'est coach Amouchik qui envoie ce mot-là sur Facebook. Tu n'as pas dit que ce n'est pas à toi de désigner qui est coach, qui n'est pas coach. Maintenant, comme ils ont montré cela, pourquoi tu es pressé de dire oui, c'est là, elle est coach. On peut être hypocrite comme ça. C'est elle. Ça, c'est une coach. Ah. Yes. Bah, on a cette vidéo plus d'une minute. Sur LinkedIn, j'ai téléchargé et tout. Elle est excellente. Elle a fait, je crois, un Transformation Day. Exactement, il n'y a pas très longtemps. C'est ça qui... Oui. Il y a 2 semaines, je pense. Il y a 2 semaines, il y a 10 jours. Oui. Mais là, je ne vous pose même pas la question que vous répondez oui. Certifié. Même si... Le... Oui. Mais je ne vous ai pas encore posé la question. Respirez, Lady. Non, en fait, je cherchais le nom. Je me disais, il ne faut pas que je me plonge. Jeanne Sissoko, c'est elle. On y arrive. C'est ça, c'est une...
Elle est formée. On a compris. Non. D'accord, mais qu'est-ce qui explique cette effervescence Parce qu'elle est pro. Ah, vos yeux pétillent autant. Je veux dire que quand on dit coach, you come out. C'est-à-dire, elle se présente, vous dites oui. C'est pas le cas de... Donc, coach Amoshi ne se présente pas bien, en fait. Coach Amoshi n'est pas propre. Coach Amoshi, là, elle n'est pas coach. Adama. On peut venir faire la sorcellerie vis-à-vis comme ça. On peut venir vouloir rabaisser sa collègue. Hein? On peut venir rabaisser sa collègue comme ça. Ah! Tu as peur pour le Mougouli? On peut venir rabaisser. C'est-à-dire chacun a sa manière de faire son coaching. Chacun a sa manière de coacher. Toi, tu as ta manière de coacher. Coach Amoshi a sa manière de coacher. Mais tu viens rabaisser ta collègue. Comme toi, tu es trop supérieur à elle. Comme toi, tu es trop, oui. C'est toi, tu es professionnel, oui. Mais chacun a sa manière de coacher. De me cogner la tête avec personne. Ah non, mais non. Je dis elle. Moi, pour mon âge, pour mon expérience et tout, quand j'ai vu se passer une de ces vidéos, j'ai dit, je savais même pas c'est une coach, je vois c'est propre et tout, la posture, l'éloquence et tout, le logo et tout. La finesse. Voilà, la méthodologie. J'ai étudié le coach, je me dis, ça c'est une coach. Parce qu'il y a des choses entre nous, on connaît. Okay. Et donc je me suis assis, je suis, le fond il est, la qualité est là, la forme est là, yes. Pourtant, c'est pas quelqu'un de très répandu sur. Et c'est ce que je dis. Donc, pour coach Amoshi, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de truc. Adama. Quand toi-même, tu en penses, c'est que toi-même, même le mensonge peut m'étonner. Même le mensonge, c'est que tu allais jurer sur le pauvre Dieu. Quand vous voulez faire vos bêtises là, hein? Quand vous voulez faire vos bêtises là, enlevez Dieu dedans. Tu t'en vas jurer sur le pauvre Dieu. Dieu même là, il est étonné. Même toi-même, ton mensonge est étonné. C'est-à-dire que tu es en train de mentir, mais tu ne t'en rends pas compte que tu es en train de mentir. Hein? Tu es en train de mentir, hein? Mais tu ne t'en rends pas compte que tu es en train de mentir. Toi-même, ton mensonge, ça te rattrape. Tu as bien dit que tu ne sais pas à toi de désigner qui est coach. Qui n'est pas coach. Maintenant, comme ils t'ont montré l'autre là, tu sautes comme ça, tu rougis. Parce que tu sais que toi et puis coach Amoshi là, peut-être vous avez un recouché. Ou bien vous devez avoir un vrai problème. Et vous manquez le but. Autant, les médias devraient pousser cette dame. Sérieux. Pourtant, elle a de l'impact. En tout cas, bon, moi je sais pas, mais je sais que ça c'est une coach. Il y a du coffre en tout cas. Okay. Ah oui, pousser. Troisième image. Nel Jamila. C'est une coach? Oui. Bon, après, c'est pas nous aussi qui... C'est une coach, on peut le dire. Oui, elle est coach. Oui, elle est coach, oui. On peut n'a jamais suivi ses vidéos. Hein? Elle ne suit pas la vidéo. Hein? Elle n'a jamais entendu parler d'elle. Jamais. D'accord. Au-delà de Jeanne, de coach Amonchi. Amonchi, quels sont les coachs que vous connaissez? Les coachs, coach Amon, il y a un monsieur qui s'appelle Amon, il a à peine 1000 ou 2000, peut-être 10 000, il fait des petites conférences pas grandes. Régis Amon? Je crois. Ou Yann Amon? Ils sont deux? Yann Amon. D'accord, il est excellent. Et vous voyez, est-ce qu'il a combien d'abonnés? Souvent, je m'assois et je suis et je continue d'apprendre. Il parle marketing. Moi, j'ai beaucoup appris. Par exemple, il vous dit, si vous voulez lancer une marque, trouvez des grandes dames. Voilà, des présidents, des trucs. Vous offrez en cadeau et une grande femme tient votre produit. Et moi, j'apprends. Moi, je veux des vidéos, des gens qui m'apprennent. Si c'est juste que... Non. D'accord. OK. Vous voyez, c'est pas méchant. J'ai pas de problème. Non, mais c'est méchant. Ça dépend des sensibilités aussi. Exactement. Non, mais c'est méchant. Non, mais c'est méchant. Parce que tu viens rabaisser tes collègues. Tu viens rabaisser tes collègues dans le mensonge, en fait. Même si toi, tu es professionnel, là, quand les autres ne sont pas professionnels, c'est toi qui dois les amener à dire qu'on doit faire ça, on doit faire ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est toi, tu dois les amener
pour dire, ah, voici comment est-ce que tu dois faire ton coaching. Voici comment est-ce que tu dois faire. Mais tellement que tu cherches, c'est-à-dire que tu veux faire tellement le buzz. Tu veux faire tellement le buzz, comme les gens t'ont oublié. Parce que coach Amo Chic là, sa vie chauffe. Oui, malgré que toi tu dis que tu ne la connais pas là, elle est connue partout dans le monde. Elle est connue partout. Elle est, c'est-à-dire que c'est la coach, la seule coach qui est challengée sur Facebook. C'est la seule coach qui est challengée, qu'on fait, c'est-à-dire que, qu'on prend ses vidéos pour faire challenge. Mais toi, qui prend tes vidéos, malgré que tu es professionnel, malgré que tu as diplôme en coaching, malgré que tu as fait formation là, qui te regarde? Comme tu sais que personne ne te regarde là, donc il faut venir salir son image, il faut venir la rabaisser, tu viens chercher buzz. Parce que personne ne te regarde. C'est un peu souvent ce coach Amo Chic. Même Toubabou prend la vidéo de coach Amo Chic pour faire challenge. Oui. Même Toubabou, même Blanc prend vidéo de coach Amo Chic pour faire challenge. Pour faire son challenge. Aïe. Si toi tu n'es bien vrai, elle est vulgaire, mais c'est dans sa vulgarité là. Les gars l'aiment comme ça. Les gars l'aiment dans sa vulgarité. Chacun a sa manière de coacher et puis avoir ses clients. Chacune a sa manière de coacher et puis avoir ses clients. Elle, ses abonnés l'aiment comme ça. Ses abonnés l'aiment comme ça. Dans sa vigarité là, dans son comme ça là, ses abonnés l'aiment comme ça. Ses fans l'aiment comme ça. De la manière que tu voyages là, c'est comme ça elle aussi elle voyage pour aller pour... C'est-à-dire que comme toi tu ne t'interprètes pas, toi tu ne la considères pas comme coach. Tu ne la connais pas. Mais de la manière que toi tu voyages, c'est comme ça que elle aussi elle voyage pour aller coacher. Tu montes dans classe business, elle monte dans classe business. Tu montes dans classe affaires, elle monte dans classe affaires. Mais quelqu'un qu'on l'invite dans les pays, c'est que c'est parce qu'elle est compétente. C'est parce qu'elle connaît son travail. Où est le problème? C'est qu'elle jalousie ça. On peut être jalouse comme ça, venir régner celle avec qui tu parles au téléphone chaque jour. Pourtant, coach Amo Chic, là, quand il l'a invité sur le plateau, là, elle a bien parlé de toi. Parce que c'est une dame qui n'a pas mauvais fond. Toi, tu as mauvais fond. On comprend pourquoi toi, tu mets 10 kilos de fond de teint sur ton visage. Hein? Tu es obligé de mettre 10 tonnes de fond de teint sur ton visage. Parce que tu as un mauvais... C'est-à-dire que tu as un mauvais fond. Oui, tu as un mauvais fond. Toi, tu dois être la collègue de Sarah Messant. Hein? Les histoires de Pierre et Paul. Aujourd'hui, tu viens traiter coach Amo Chic de Paul. Hein? Tu viens traiter coach A, comme on a coach Jamila de Pierre. Hein? Tu dois traiter, tu dis que aujourd'hui là, tu viens traiter coach Amo Chic de Pierre et coach Jamila de Paul. On peut avoir mauvais fond comme ça. Mauvais fond de camarade là, c'est ça, Jessie, comment elle s'appelle, Jessie a chanté, mauvais fond de camarade là, c'est aujourd'hui on voit la sorcellerie en pleine journée, hein, c'est aujourd'hui, mais chacun a son étoile, chacun a son étoile, elle là, elle n'a pas fait, c'est-à-dire que y a les gens qui ont don, il y a les gens là, ils ne sont pas obligés d'aller à l'école, mais ils ont un don en eux, ils ont un don, et pour coach Amo Chic là, elle a le don. Elle a le don. Elle a toujours dit que je n'ai pas fait formation d'être coach. Je n'ai pas fait de formation. Mais c'est un don. Elle a le savoir. Parler aux gens. Et puis elle fait avec... C'est-à-dire, en même temps, elle met au moins la comédie dedans. Elle met un peu de comédie dedans. Et c'est ce que les gens aiment. Les gens adorent ça. Mais si toi tu es forte, là, c'est pour toi seul. Tu es professionnel. Tu fais vidéo. Elle fait vidéo. Oui, c'est-à-dire que toi-même, tu dis que tu as diplôme de ça. Tu as diplôme, mais tu fais direct, elle fait direct. Tu fais 5 000 personnes qui te suivent, elle fait 20 000 personnes qui la suivent. Donc, vous n'êtes pas camarades.
Toi et puis coach à moins chic là, vous n'êtes pas camarade. Parce que là, malgré tes diplômes en coaching là, elle te dépasse. Elle est la plus suivie des coachs. Elle est la plus suivie des coachs. Ça chauffe pas. C'est à cause que vous avez fait votre sorcellerie là pour aller bloquer sa page. Vous avez fait votre sorcellerie là pour bloquer sa page. Tu as même ta soeur aujourd'hui avec ton loup maquillage là. Hein? Avec ton loup maquillage là, c'est qui? Je ne la connais pas. Hypocrisie de femme, jalousie de femme. Quand tu vois que ton ami est en train d'évoluer là, la jalousie commence. On va écouter ici coach. Toi tu dis tu connais pas coach à moins chic, hein? Hein? Tu dis tu connais pas coach à moins chic. On va te faire écouter coach à moins chic. Ivoirien n'est pas hypocrite, oh. Ivoirien n'est pas dans l'hypocrisie. C'est parce que c'est hein? Personnel. Ivoirien n'est pas dans l'hypocrisie. Donc, t'avouer, hein? Ivoirien n'est pas dans l'hypocrisie. Quand Ivoirien te dit la vérité. Voilà. Attendez. On va écouter coach Amon Chic ici. Une coach très connue en Afrique. Hé, mon bout d'oreille, yo. Mon bout d'oreille. Comme si j'étais venue faire comme c'est elle. Je suis pas, par exemple, de Lady Sonia. C'est une grande sœur. Mais vraiment une grande sœur. C'est quelqu'un que... Donc là, coach Lady Sonia dit qu'elle connaît pas... mon bout d'oreille a fui, oh. Attendez, allez chercher mon bout d'oreille. Adama. On peut faire ça. Hein? Ici, là, c'est coach Amon Chic qui est en train de parler de coach Letty Sonia. Pourtant, coach Letty Sonia dit qu'elle ne connaît pas coach Amon Chic. On va écouter coach Amon Chic. Vous allez comprendre comment l'hypocrisie. Comment on peut être hypocrite comme ça? Très connue en Afrique, très beaucoup aimée, comme si j'étais venue faire comme c'est elle. Pas Letty. Je parle par exemple de Lady Sonia, c'est une grande sœur, mais vraiment une grande sœur. C'est quelqu'un que les gens nous ont comparé, les gens ont fait plein de trucs. Lui, elle veut faire comme Lady Sonia, elle n'est pas plus forte qu'elle, Lady Sonia est plus forte. Mais finalement, cette dame-là a commencé à me suivre. Elle a vu que j'étais une personne vraie. Lady Sonia! Coach Amon Chic dit que tu as régné devant les gens là. Elle dit que tu la suivais. D'après toi, tu dis que tu ne la suivais pas. Mais elle dit que tu la suivais. Donc entre vous, de la cumin. Hein? Tu viens rabaisser ta collègue à cause de pour faire le buzz. Tu viens la rabaisser à pour faire le buzz. Voilà elle là. Elle parle bien de toi. Hein? Elle t'a pas appelé Pierre. Elle ne sait pas, elle sait pas jouer les étonnés, mais elle t'appelait par ton nom, avec considération, avec respect. Mais toi, tu viens t'asseoir avec ton loup visage de maquillage là, plein de fond de teint là, pour venir la rabaisser. Que j'avais du talent, tu vois. Et cette femme est venue vers moi. Aujourd'hui, c'est une grande soeur pour moi. C'est une femme qui m'appelle. Hey. Et on peut faire une heure du temps au téléphone à rigoler. Elle me donne des conseils. Elle me coach. Donc, coach Amon Chic est en train de nous mentir ici. Elle est en train de nous mentir parce qu'elle dit que tu l'appelles. Viens répondre si tu ne l'as jamais appelé. Il faut venir nous répondre si vous ne vous êtes jamais appelé. Parce que tu dis que tu ne la connais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Mais ici, là, elle dit, tu es allé vers elle. Et aujourd'hui, là, vous avez, même si vous ne vous êtes pas encore rencontré, mais vous avez gardé de bons contacts. Elle m'apporte beaucoup parce que c'est une dévancière et elle a vu en moi quelque chose. Elle m'a dit tu es spécial, tu es vrai, tu as du talent. Lady Sonia, elle a un peu ce côté religieux là dans son coaching, oui. Je pense. En toi, tu es, je sais pas si c'est ce que vos publics vous disent, mais j'ai l'impression que toi tu es plus dans du. Moi, c'est vraiment, moi, c'est vraiment la vie de couple. Moi, c'est vraiment la vie de. Je suis à fond, je rentre même dans les détails. Moi, je vais au taquet. Elle. Avec des mots. Voilà. Elle, c'est une motivatrice. Ouais. Mais c'est un génie. Elle te motive, mais. Elle te donne des idées. Elle te booste. Non, mais franchement, c'est un génie. Ça, Dieu lui a donné ce don-là. Bah, Lady Sonia, en tout cas, ta petite sœur est très heureuse. Ouais. Elle est très fière de toi. Vraiment. Elle est très contente que tu la motives aussi. Vraiment. Également. C'est une grande dans sœur. Dans ce conglomérat, justement, de coach que vous êtes et qui pullule sur la toile,
sociaux. C'est vrai que là, tu as parlé d'Eli Sonia, mais en dehors d'elle, tu es beaucoup plus proche de qui? Enfin, proche, non. Comme coach. Proche, non. Je suis proche de l'Eli Sonia. Enfin, proche. Je ne dirais pas proche. Vous avez de très bonnes relations. Voilà, franchement. Donc, elle est proche de l'Eli Sonia. Ils ont de très bonnes relations. Donc, l'Eli Sonia, toi-même, il faut voir. Ou bien elle est en train de mentir. Ou bien elle est en train d'inventer les choses. Ou bien elle ment sur toi. Donc, toi, il faut voir. Des coachs que j'apprécie, par exemple Zach Mukasa, c'est un coach que je kiffe, que j'écoute beaucoup, voilà, parce qu'il m'inspire, j'aime sa façon d'être tout, donc Zach Mukasa, franchement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il inspire beaucoup de femmes, hein, Zach Mukasa. Oui, vraiment, il a du talent. C'est quoi, par rapport à son sexe à pile? Je vais reprendre encore, vous n'avez pas compris. Attends, coach. Voler un peu la place d'une une coach très, très, très connue en Afrique, très, très, très beaucoup aimée, comme si j'étais venue faire comme c'est elle. Pas Lady. Je parle par exemple de Lady Sonia, c'est une grande sœur, mais vraiment une grande sœur. C'est quelqu'un que les gens nous ont comparé, les gens ont fait plein de trucs. Lui, elle veut faire comme Lady Sonia, elle n'est pas plus forte qu'elle, Lady Sonia est plus forte. Mais finalement, cette dame-là a commencé à me suivre. Elle a vu que j'étais une personne vraie, que j'avais du talent, tu vois. Et cette femme est venue vers moi. Aujourd'hui, c'est une grande sœur pour moi. C'est une femme qui m'appelle. Elle et moi, on peut faire une heure du temps au téléphone, à rigoler. Elle me donne des conseils. Elle me coach. Elle m'apporte beaucoup. Parce que c'est une dévancière. Et elle a vu en moi quelque chose. Elle m'a dit, tu es spéciale. Tu es vraie. Tu as du talent. Lady Sonia, elle a un peu ce côté religieux là, dans son coaching, oui. Je pense. En toi, tu es, je ne sais pas si c'est ce que vos publics vous disent, mais j'ai l'impression que toi, tu es plus dans du... Oui. Dans du direct. Moi, c'est vraiment... Voilà. Moi, c'est vraiment la vie de couple. Moi, c'est vraiment la vie de... Je suis à fond. Je rentre même dans les détails. Tu vas au taquet. Moi, je vais au taquet. Elle... Avec des mots... Voilà. Elle, c'est une motivatrice. Ouais. Mais c'est un génie. Elle te motive, mais elle te donne des idées. Elle te booste. Non, mais franchement, c'est un génie. Ça, Dieu lui a donné ce don. Bah, Lady Sonia, en tout cas, ta petite sœur est très heureuse. Ouais. Elle est très fière de toi. Vraiment. Elle est très contente que tu la motives aussi. Vraiment. Également. C'est une grande dans sœur. Dans ce conglomérat, justement. Donc, voilà. Coach que vous êtes. Voilà. Hein. Vous savez comment elle a parlé à coach. La Lady Sonia avec respect et considération. Elle a parlé avec respect et considération. Mais regardez ce que Lady Sonia, elle est allée d'ici le plateau là-bas. Je ne la suis pas. C'est-à-dire que son nom ne te dit rien. Tu ne sais pas le trait, tu ne sais pas si elle est coach ou pas. Pourtant, tu l'as apprécié ici. Pourtant, tu l'as apprécié, pourtant vous vous appelez. Mais du moment que vous causez là, vous parlez, vous vous connaissez, vous vous échangez, mais vous ne vous êtes pas encore vu en réalité. Ça, si tu disais que oui, par contact, on s'appelle et tout, je la connais, mais on ne s'est pas encore rencontré, mais on se parle au téléphone, on s'appelle, on se donne des conseils et tout. Mais quand tu viens dire que, on te montre la photo et puis tu fais une tête genre, c'est qui celle-là? C'est qui celle-là? Enlevez-moi sa photo devant moi. Elle, je ne la connais pas, je ne sais pas quel travail elle fait, je ne sais pas qui, si elle est coach ou pas. J'ai suivi sa vidéo une minute. On peut venir mentir comme ça. On peut venir mentir tellement que tu cherches l'amour des Ivoiriens. Oui, tellement que tu cherches l'amour des Ivoiriens, tu vas venir rabaisser leurs soeurs dans leurs narines. Parce que tu as ton concert. Et demain, là, c'est les Ivoiriens qui vont aller remplir ton concert comme ça. Ils vont aller remplir.
Oui, la vidéo, elle avait fait ça. Je pense, ça date quelques. Combien de. On dirait 10 mois comme ça, je pense. Ça date 10 mois. La vidéo date 10 mois. La vidéo de Coach Amon Chic, là, ça date 10 mois. Et toi, tu as venu t'asseoir pour la rabaisser, pour la salir, en fait. Pour la salir. Parce que c'est toi la meilleure. Oui, c'est toi la meilleure. C'est toi la meilleure, oui. C'est toi la meilleure. Même si tu as créé quelque chose là. Mais c'est grâce à toi aussi. Oh, comment on appelle les clashs, les trucs à qui a créé? C'est Didier Arafat, père à son âme. Donc si toi tu as créé, tu as envoyé une histoire de coach sur les réseaux sociaux. Et puis tes petites sœurs ont commencé à faire comme toi, à te suivre là. Mais il faut être fier et les féliciter, les encourager. Et les amener aussi comment est-ce qu'ils doivent faire leur coaching. Voilà. Comment est-ce qu'ils doivent prendre ça au sérieux. C'est comme ça. Une professionnelle, c'est d'amener les autres aussi à être un jour aussi professionnels. À être un jour aussi professionnel. Je n'ai pas envie de dénigrer ta colère comme ça. C'est méchant. Même si tu veux avoir le cœur des Ivoiriens là. Mais tu n'as pas venu humilier leurs soeurs dans leurs narines. Et puis ils vont te regarder parce que c'est toi les tissonniers, mais je ne sais quoi. Chacun a sa chance. Oui. Chacun a sa chance. Elle a eu une chance. Elle a eu un talent. Elle a eu un don. Est-ce que tu es obligé de reconnaître son talent? Elle t'a dit qu'il faut reconnaître son talent. Du moment qu'elle gagne son argent dedans. Du moment qu'elle a, elle arrive à c'est-à-dire qu'à parler avec ses patients. C'est l'essentiel. Si toi, tu n'as pas reconnu son travail, si toi, tu ne la connais pas, oh, mais ta conscience va te gronder. C'est toi, ta conscience là, ça va te gronder. C'est toi, ta conscience qui va te gronder. C'est la même chose là. Qu'est-ce que Ricky Diabaté est venu faire encore? Comment on appelle, sur un plateau télé, où il a dit, lui, il ne connaît pas Didier. Comment il s'appelle? Il ne connaît pas Arafat. Comment il s'appelle là? Oh, lui là, comment il s'appelle? De Bordeaux. La même chose que Tiriké Diabaté a dit à De Bordeaux dans même en Côte d'Ivoire là. C'est la même chose, elle aussi, elle vient faire. Donc, c'est-à-dire quand vous venez dans le pays des gens là, vous ne savez pas vous comporter. Quand vous venez dans le pays des gens, on vous reçoit à bras ouverts, on vous reçoit avec plein d'amour, mais c'est pour venir encore rabaisser les gens. Vous pensez que vous êtes trop important. Ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas vous. C'est les Ivoiriens qui mettent toujours les étrangers en haut. Hein? C'est les étrangers. C'est les Ivoiriens qui mettent toujours les étrangers en haut. Et puis leurs frères, leurs soeurs sont derrière. Et les étrangers sont en haut. Raison pour laquelle celui-là se lève, il vient manquer de respect comme il veut. Oui? Celui-là, c'est lui qui a venu manquer de respect à un Ivoirien comme il veut. Parce que c'est nous les Ivoiriens qui avons permis ça. C'est nous les Ivoiriens qui avons encouragé ça. Sinon, une étrangère, ma chérie, tu n'es pas Ivoirienne, tu es étrangère. Même si tu as grandi en Côte d'Ivoire, même si tu es né en Côte d'Ivoire, même si tu as fait ton enfance en Côte d'Ivoire, tu n'es pas Ivoirienne. Voilà. Tu n'es pas Ivoirienne. Donc là. Tu ne vas pas venir dénigrer une Ivoirienne dans son pays et puis les gens vont te regarder parce que c'est toi, coach Amonchi. Coach Amonchi, tu peux mettre un coach là, dit Sonia. De la manière que tu voyages, c'est comme ça un voyage. De la manière que tu places ta caméra pour bavarder là, c'est comme ça elle aussi, elle place sa caméra pour bavarder. De la manière que tu as client là, c'est comme ça elle aussi, elle a ses clients. Donc où est le problème? C'est quoi cette jalousie? On peut être arrogant comme ça. C'est quoi cet orgueil? Si on regarde là, c'est parce que tu es jalouse d'elle. Tu es jalouse.
C'est vrai que tu as la haine contre elle. Parce que tu vois que là, la gola, elle mousse. Elle mousse. C'est la caviar. C'est-à-dire c'est coach champagne. Oui, c'est coach champagne. Il dit si tu te cailles pas l'homme. Elle est que l'impé. S'il y a quelqu'un là, c'est que c'est un homme mort. C'est coach à mon chic. Il n'y a rien en face. Elle t'a pas pour toi. C'est ça qui te dérange. Si tu t'en fais ton conseil ou bien je ne sais ta conférence ou bien je ne sais quoi là. Tu es obligé d'aller humilier quelqu'un pour faire le buzz. Hein? Tu es obligé d'aller rabaisser quelqu'un pour que les gens ne puissent se rappeler de toi. Tu es obligé d'aller rabaisser ta collègue. Toi, tu es toujours en train de rabaisser tes collègues. Tu es toujours là en train de rabaisser tes collègues. Toi, ce que tu veux bouffer. On sait que c'est toi qui as créé, mais c'est pas toi qui as créé Facebook. C'est pas toi qui as créé Facebook. Donc chacun est libre de faire ses vidéos comme il veut. Voilà. Donc il faut respecter aussi le travail de l'autre. Il faut respecter aussi le travail de l'autre. Chacun a sa manière de faire plaisir à ses fans. Chacun a sa manière de communiquer avec ses fans. Toi, tu parles français de haut niveau. Coach Amon Chic là, elle parle le nouchi, elle parle français terre à terre. Alors c'est pour poser question. Alors tu viens de Mougou, tu as envie de Mougou, elle là, ce sont ses parlementaires. Voilà. Donc ta jalousie qui est dedans là, on n'a pas compris en fait. La sorcellerie que tu es en train de faire, on n'a pas compris. La haine là, on n'a pas compris. C'est-à-dire que toi-même, ton mensonge que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de mentir comme ça là, mais tu t'en rends pas compte. Je dis, c'est le nom de Eka qui est gâté. Déjà, les bafloteuses là, elles sont beaucoup comme ça. Les bafloteuses là, elles sont beaucoup comme ça. Mais c'est pour Emmanuel Keita là qui est gâté. Voici une vieille qui s'en s'assoit, qui est en train de mentir en plein midi. En plein midi, elle est en train de mentir. Même le mensonge même est étonné. Quand tu regardes son visage, tu sais qu'elle ment. Mais c'est elle qui va jurer. Quand je suis chrétienne, vous êtes chrétienne, c'est pour aller faire les conneries dans le noir. Là. Hein? C'est pour aller faire conneries. Si Dieu n'a pas giflé quelqu'un dans faire des girages, dans faire des girages, girer là, si Dieu n'a pas giflé quelqu'un là, ils ne vont pas le respecter. Ils ne vont pas arrêter. Dieu là, ce n'est pas votre camarade. Dieu là n'est pas votre ami. Dieu n'est pas ton camarade. Je viens placer ta camarade. Je jure. Tu jures sur qui? Toi, tu es en train de mentir, mais tu jures. C'est toujours les menteurs qui viennent jurer. Quand tu es en train de mentir, il faut reconnaître que tu mens. Tu viens la salir. Tu veux mettre forcément sable dans son achiqué. Parce que là, elle mousse. Tu veux mettre sable dans son achiqué. Tu veux forcément salir son travail. On a dit que c'est toi la meilleure. Hein? On a dit que c'est toi la meilleure coach. Mais chacun a sa manière de coacher ou bien. Pour toi, c'est haut niveau. C'est niveau intellectuel. Elle, là. Elle, son coaching, là. C'est en mode chinois. Et comment on appelle? Nushi. C'est le français terre à terre. Elle-même, elle a dit. Elle dit. C'est pas tout le monde qui comprend gros français. Voilà. Elle-même, a dit qu'elle n'est pas allée loin à l'école. Elle-même, a dit ça ici. Elle ne s'est pas venue un jour pour inventer les choses. Elle n'a jamais inventé les choses sur sa vie. Elle a dit que elle n'a jamais été à l'école. Elle n'a jamais fait formation de coaching. Mais son inspiration là, c'est Dieu donné. Son inspiration vient de Dieu. Où est le téléphone qui sonne? J'ai même pas envie de prendre appel aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais je vois que les gens viennent intervenir là. C'est pour poser une question. Oui. Question, oui. J'ai pas envie des trucs aujourd'hui. J'ai pas envie de mettre appel là. Je suis fatiguée là. J'ai pas duré. Donc voilà. Tu as zaillé. Tu as zaillé, coach Let Sonia. Tu as zaillé. Ça, c'est pas professionnel ce que tu viens de dire. Tes dits là ne sont pas professionnels. Voilà. Tes dits là. Ne sont pas professionnels. Parce qu'une professionnelle là ne se comporte pas comme ça. Tu ne veux pas nous dire que tu ne suis pas les vidéos de tes collègues.
Même quand que coach Amoshika là, elle est en direct, il y a plus de 20 000 personnes qui l'a su. On te voit là-bas. Quand je ne suis pas, c'est direct. Je ne fais pas ceci. Même quand il y a 3 personnes qui te suivent là, ta vidéo là, ça passe partout. Parce que Facebook là, c'est comme un petit village. C'est comme un petit campement. Dès que tu es en direct là, tout le monde te voit. Même si y a, de la manière qu'il y a 90 personnes qui me suivent là, tout le monde me regarde. C'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé en Londres, c'est arrivé au Canada, ça a dépassé le monde entier. Donc ne viens pas nous mentir que toi tu ne suis pas coach à mon chic. C'est hypocrite de ta part. C'est hypocrite de ta part, Sonia. C'est de l'hypocrisie. Oui. C'est être bipolaire. C'est le mot même qui est là. C'est être bipolaire parce qu'il y a une coignée. C'est-à-dire que tu veux coigner tête. Tu es une coigneuse de tête. Tu es une vraie coigneuse de tête. Mauvaise fond de camarade, là, c'est toi. Hein? Mauvais fond de camarade, là, c'est toi. Mauvais fond de camarade. So, aujourd'hui, on voit ton vrai visage. Derrière ton beau sourire, là. Hein? Derrière ton beau sourire, là. Ton beau sourire, là. C'est-à-dire que tu souris, il y a derrière, là. C'est la méchanceté, c'est la haine. C'est la méchanceté, c'est la haine. C'est-à-dire que c'est coach, ah moi, chez toi, tu veux salir quoi. Tu veux te faire passer pour la bonne personne. Genre, tu fais trop bien ton travail. Mais on s'en fout si tu as ton diplôme. Si tu as ton diplôme, mais tu fais vidéo sur Facebook. Tu as un diplôme, mais tu fais vidéo sur Facebook. Tu fais conférence. Coach Amon Chic fait conférence. Ou bien, tu fais conférence, coach Amon Chic aussi fait conférence. On t'invite là, elle aussi on l'invite. Tu as nous dit quoi? Toi, tu as venu manquer de respect à notre coach. Tu as venu manquer de respect à une volée, puis on est qu'à t'applaudir. Genre, tu cherches, une volée, on te vomit, tu ne connais pas Ivoirien. Tu cherches tellement à être aimé. Tu sais que tu te fais aimer. On est qu'à t'aimer, mais. Pour te faire aimer, là, tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un. Tu n'as pas besoin de mettre le sable dans la chéquée de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de mettre le sable dans la nourriture de quelqu'un. Chacun est professionnel à sa personne, à sa manière. Voilà. Nous, on est beaucoup de blogueurs ici. Mais moi, je suis professionnel à ma manière. Voilà. Je suis professionnel à ma manière. C'est quoi cette méchanceté? Hein? C'est quoi cette méchanceté? Si les Ivoiriens pouvaient boycotter son événement là, ça allait trop me plaire. Si les Ivoiriens même là pouvaient lever sa conférence à taper poteau. Si sa conférence pouvait taper poteau là, elle va comprendre que les Ivoiriens là ne sont pas des moutons. Voilà. Elle va comprendre que les Ivoiriens n'aiment pas les foutaises. Si les Ivoiriens même pouvaient boycotter sa conférence qu'elle va faire là, si personne ne payait son ticket, oui. Personne ne payait son ticket là. Elle allait aller s'asseoir là-bas avec ses abonnés. Elle va aller s'asseoir là-bas avec ses abonnés pour faire sa conférence. C'est quoi cette méchanceté là? Hein? C'est quoi cette sorcellerie? Tu viens dénigrer. C'est-à-dire que tu es là, tu dénigres tes soeurs. Hein? Tu es là, tu dénigres tes collègues. Tu es là, tu les dénigres. Non, telle personne, je ne la connais pas. Non, celle-ci, ça ne me dit rien. Chut! À demander en gens comme ça. Bah, je comprends. C'est pas de ta faute. Hein? Faut diminuer ton make-up là, c'est trop. Hein? Faut diminuer ton make-up là, c'est trop. Ton make-up là est trop. Oui, make-up là, c'est trop. Scotch, ah, moi, je sais qu'elle est naturelle. Qu'on a, il y a des coachs qui viennent, comment on appelle, qui mettent les seins dehors. Maintenant, tu parles en parabole. Si tu es femme, là, vous parlez français, elle va annuler ça dans tes yeux. C'est ivoirien. C'est ivoirien. Voilà. Quand tu as mangé les vraies ivoiriennes, tu parles en parabole. Hé, hey, mon bout d'oreille, là. Hé, okay, je souffre d'air. Hé, hey, je vais manger, on dit de boire de l'eau. On dit de boire. Vraiment, ma gorge est sec. C'est vrai même. Ma gorge est sec. Je vais couper de suite. Au delà, il n'y a pas mes appels. Et pas mes appels aujourd'hui là. Hein? Tu parles en parabole. Quand les coachs aiment les...
coach qui met les seins dehors. Hein? Le coach qui met les seins dehors. Mais quoi, c'est pour mettre les seins dehors aussi. C'est quoi ça? Ok. Je dis, si les Ivoiriens pouvaient boycotter ta conférence là, personne n'allait payer ticket pour aller te regarder. Personne n'allait payer ticket pour aller te regarder parce que tu as humilié les soeurs. Oui, personne n'allait expliquer. Hein? Personne n'allait dire boycotter la conférence de coach Latisonia parce que c'est foutaise. Toi, tu es venu dans le pays des gens, puis tu as manqué de respect à une seule Ivoirienne. Tu as c'est-à-dire que tu as trop eu l'eau de courage. Tu t'es purgé à l'eau de courage ou bien? Hein? Tu t'es purgé à l'eau de courage, même ce que tu as fumé là, tu n'as pas séché ça avant de fumer. J'ai dit boycotter même sa conférence, à boycotter ça. Elle va voir qui va payer le ticket pour aller s'asseoir dans sa conférence là. Carrément. Nya, 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 nya. En tout cas, bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Je dis à pas d'appel. Ciao.